sûr que c'est pas moi parce que les agents du SWAT vous avez déjà été détenus. Sûr que c'est pas moi parce que t'es un membre de la police quoi, comme ça. Les agents du SWAT vous avez déjà été détenus. Ça c'est un truc. Sûr que c'est pas moi parce que voilà. On est en haut. Et je pense qu'il y a une prise d'otage en Là il est là, Ben. Ah oh, ouais, mais bon. Ouais. On devrait faire des gens pour nous rejoindre. Ouais, il faudrait faire passer des annonces, les gars, si vous voulez aller en ville recruter des gens. Plus on saura, plus on pourra attaquer. Exactement, c'est rapide. Allez-y. N'hésitez pas à mettre des annonces dans le journal, etc. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Mon meilleur client c'était Jean-Luc de la rue. J'ai le déhanché élevé, vraiment siphonné de la cervelle. Toda la noche, personne m'arrête. Dose de tu le sais en cigarette. J'ai le déhanché élevé, vraiment siphonné de la cervelle. Toda la noche, personne m'arrête. Dose de tu le sais en cigarette. Une main dans le caleçon. Dans le paquet de Doritos, viens faire un tour à la maison. On est au sud entre cassos. Les gars du coin veulent la baston, car sur leur sœur j'ai mis la sauce. Je vais finir en prison, comico, j'empile les dossiers. Pas d'alcool fort que des hommes faibles. J'évite de sortir, les flics m'observent. Je lance une pièce dans une femme fontaine. Elle frite l'épinard de Popeye. J'entends la flic qui patrouille dans nos rues. C'était Jean-Luc de la rue. J'ai le déhanché élevé, vraiment siphonné de la cervelle. Toda la noche, personne m'arrête. Dose de tu le sais en cigarette. J'ai le déhanché élevé, vraiment siphonné de la cervelle. Toda la noche, personne m'arrête. Dose de tu le sais en cigarette. Ouais, à la bienne, je fais mes affaires. Un fils de timbre vient reparler sur ma mère. Il m'emboucane.
Don, t'es là, on a un mec qui serait intéressé. On a un mec qui serait intéressé par la zone. On a tout le monde, d'accord, bien sûr. Juste avant tout, Dame Pablo. Voilà. Je suis là, je suis là. On a une recrue. C'est le gars, allez, pour faire 1000 euros la semaine. Allez, je le rejoins. Il est en bas. Super. Bonjour monsieur. Hop, c'est de l'armel, monsieur. Enchanté. Vous êtes. Allez me chercher d'autres rangs, moi. Je suis Connor. Connor Alderson. Connor Alderson, enchanté monsieur. Je suis Don Pablo, le gérant de cette organisation criminelle qui est la zone. Vous cherchez un travail, c'est ça? Bah écoutez, vos hommes sont venus me voir. Exactement, vos hommes sont venus me voir. Allez Alberto, je te remercie. Bah, c'est parfait monsieur, écoutez, on va monter sur un plan. On a une organisation qu'on souhaiterait abattre, finir, terminer. Tu vois, on les a déjà bien amochés, on aimerait bien les défoncer, si tu vois ce que je veux dire. Et je recherche des hommes que je paierai à la fin de cette opération, qu'on équipe et qui vont partir au front avec nous. Ça t'intéresse? Très bien, bah écoutez, je vous suis. Hein. C'est parfait, monsieur. Pas de soucis. Et écoutez, juste, vous me permettez 2 secondes, je vais chercher une fourchette, j'ai faim, je suis en train de manger. À de suite. Allez-y, allez. Bon, dites-moi, vous êtes équipé de quoi? Niveau armes, etc. Bah, j'ai tout, j'ai. Tout, vous avez des. Sniper. Vous avez des fusils sniper? Des d'assaut. Bien sûr. Bah, c'est parfait. Bon. Bonjour. Je vais vous faire un petit débrief de l'opération. Est-ce que vous voyez le plan là, ci-dessous? Je vous écoute. Ouais. C'est un schéma très simplifié du quartier riche. La maison rouge, okay. C'est la maison des Eldark. Les flics qu'on veut. Enfin, les flics, les. Le gang qu'on veut attaquer. Les maisons vertes, okay. C'est l'endroit où le snipe est possible et avantageux. C'est une position qui peut nous rapporter beaucoup, si tu veux. Donc, selon les hommes que j'ai, je vais vous répartir en duo ou trio par maison. Quand nous tombons, toi, tu iras là, notre ira là, on ira là. Et on va lancer un go. Et à ce go là, on exécute tout le monde dans cette maison. Dans la fameuse maison rouge. Donc vous tirez, voilà, vous abattez ceux qui sont visibles, ceux qui sont pas visibles, on les aura à la deuxième phase. Voilà, cette première phase, on exécute tout ce qui est visible dans la maison. Une fois qu'on voit qu'on n'arrive plus à atteindre les personnes, on se réunit tous et on attaque de plein fouet la maison, donc fusil d'assaut, fusil à pompe, et on rentre par effraction dans la maison. On fait le ménage, si vous voulez. Voilà, voilà, c'est à peu près le plan. Voilà, voilà. Du coup, les autres vont chercher d'autres hommes, parce que j'aimerais voilà que ça soit une prestation de puissance. Qu'ils comprennent, parce qu'ils ont déjà fait les malins avec moi, qu'ils comprennent qu'on n'est pas n'importe qui. Qu'ils réalisent un peu qu'en plus d'être beaucoup, qu'on est organisé. Voilà, voilà. C'est bon, on tâchera de faire ça alors. On est combien à peu près sur le coup? Non. Avant, si tu veux, il y a 1 heure en arrière, on a voulu lancer le coup, sauf que des flics sont venus nous assaut ici pour une raison que divinement je ne comprends pas. Enfin bref, j'ai pas voulu me prendre la tête. Bon, on a réussi à les repousser, mais malheureusement on a perdu beaucoup d'hommes. Et finalement, bah, ils sont dispersés et on a perdu beaucoup d'hommes. Et donc, avant qu'on se fasse attaquer, on était 10 à partir sur le coup. Donc, il y avait 2 personnes par maison et 2 mecs avec moi.
pour partir en assaut dès que c'était fini. Et j'aimerais, là actuellement on est que 5, j'aimerais qu'on reparte sur une bonne base de 10 ou 15 personnes. Dis-moi, est-ce que t'as des Mais amis? vous savez combien ils sont dans la Ah, famille? ils sont moins de 10, je crois qu'ils sont 5. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que t'as... Et vous avez un plan si jamais les flics interviennent? On allume tout le monde. Non. On est un gros effectif, on allume tout le Ok. monde qui se met sur notre passage. Et c'est tout. Voilà. Entendu. Voilà. Est-ce que vous avez des collègues pas loin? Vous êtes solo dans votre J'en ai, mais quête. je crois qu'ils sont pas encore en ville. D'accord. Écoutez, bah s'ils ont le temps de se connecter, autant ils pourront faire ça avec nous. Juste pour le plan, Je t'écoute. on arrive par où en fait exactement? C'est à L'objectif, ça côté. serait de rentrer, voilà, par ici où je suis, c'est la J'arrive pas montée. à le visualiser. Alors, si tu veux, là où je suis positionné actuellement, c'est la montée du quartier riche. Ouais. Donc, on monte, on arrive. Tout droit, voilà, il y a une maison. Ah Là, je ouais, pense que tu la d'accord. visualises maintenant. Ouais, là c'est bon, En c'est bon, face, je suis sûr. il y a une maison blanche du même Ok. stade que celle-là. Sur les côtés, il y a une petite maison en bois. De l'autre, voilà, ici, il y a une grande maison avec un gros toit où il y a un sous-sol. Et voilà, Ouais, ces trois c'est pas maisons bon, je vois. sont bien positionnées et avantageuses au niveau du snipe. C'est-à-dire qu'ici, on a vu en pleine sur la Ok. maison, donc tout ce qui est terrasse, tout ce qui est façade, etc. Ici, on a l'entrée avec le garage, etc. Et de ce côté, on a le jardin. Donne. Ouais. Donne, on a encore une personne. Ah, parfait. Bonjour. Allez, amigo. Théo, il nous a lâché. Merde, il a dû Il est aller parti. partir, ouais, je Ouais, il a sais. dû partir. Ah, pas de soucis. Ouais. Il faut repartir sur des recrutements, il nous faut toujours plus de monde, les gars. Toujours plus. Vas-y, bah, je vais en rechercher la ville. Donne, Par par contre, n'hésitez pas à faire des annonces, je vais etc. pas te siffler, donc. De quoi? Et du coup, on peut m'expliquer, parce qu'ils n'ont pas le temps de m'expliquer, ils m'ont dit Je vais juste d'abord de t'expliquer, y a pas de m'expliquer soucis, ce que je je vais te fais. parler. Hop. Alors, en même temps, je suis en train de manger du taboulé. Alors, juste le grand fait m'a mâché. Hop. Je mâche. Voilà. Alors. Je suis Don Pablo, le gérant de la zone. Il y a des gangs qui me font beaucoup de concurrence et beaucoup de provocations que j'aimerais éliminer, si tu veux. Donc je recherche des hommes armés qui puissent rentrer dans mes effectifs lors de ce braquage, voire de ce braquage de cet assaut, voire même rentrer dans un effectif habituel de la zone et rentrer dans la zone. Le gang en particulier sont Ok, les L alors, L ouais. ouais, je les ai prévenus que là j'ai vraiment plus d'argent sur moi et je suis pas armé. Ils m'ont dit que tranquille, vous Oui, pouviez y a m'armer. pas de souci, on va vous armer. Vous allez recevoir un fusil Je ne connais pas sniper d'armes. et un fusil amélioré, c'est-à-dire avec lunettes, etc. Y a pas de souci, Monsieur Tognon. Et Ok. en ce qui s'agit des sous, à la fin de cet assaut, vous serez payé. Enfin, si on le réussit, quoi. Voilà. Ok, on va réussir. Donc ici, vous avez une représentation du quartier riche. La maison rouge, c'est la maison qu'on va attaquer, et les maisons vertes, c'est là où on va sniper. Ça va être un Ok. assaut qui va se dérouler en deux phases. Donc la première sera de se positionner tous sur les maisons vertes, qui sont donc avantagées au niveau de leur position, et on peut se caler sur les toits afin de sniper. Première phase, ça va être de sniper à fond. Tout ce qui est visible, on va l'exécuter. Deuxième phase, c'est partir de cette position et rentrer de force dans la maison rouge et faire le ménage de tout ce qui reste. Voilà. D'accord. Voilà. Dites-moi. Ok, bah ça va. Moi, je gère plutôt bien les armes à feu. J'ai fait quelques petits métiers quand j'étais plus jeune. D'accord. Ok. Ah bah c'est parfait. Juste voilà, il va y avoir un souci au niveau divin. Si admettons que vous soyez citoyen, il va falloir voilà, soit vous mettre mafieux ou yakuza, une connerie comme ça. Voilà. D'accord, et bah je vais faire ça. Parfait, monsieur. Je reviens. À de suite.
Alberto? Ouais, Alberto. You're here? Yes. Ouais, on a ramené deux encore. Ah, parfait, putain, y'a du il monde. Il est un petit peu chaud de la night, hein. Allez, ramène-le-moi. Voilà, il arrive, il est là. Allez, les amis. Bonne fin de chaud de la night. Oh, il est chaud de la night, je suis. Oui, complètement éclaté, j'ai dit que je réponds au téléphone. Oh merde, c'est la faute. C'est qui connard là, le téléphone, il sonne. Putain de merde. Ça m'a rempart là, les corridors. Oui, monsieur. Ouais, monsieur Tognon, je vous écoute. Est-ce que vous aurez quelqu'un pour m'envoyer une voiture au centre-ville? Ouais. T'inquiète, mon frère. On arrive. Merci. Allez, je suis. Je suis au concessionnaire. Don Pablo. Ouais. Arrête. Est-ce que tu peux aller chercher le... Il y a une recrue au concessionnaire. Est-ce que tu peux aller le chercher, Alan, s'il te plaît? Vas-y, t'as... Je te remercie, mon frère. Ouais. Ça va ou quoi, les reilles? Ça va être en mon reille. Ça va tranquille. Qu'est-ce que tu fais, toi? Dégage, toi, non? On le connaît pas, lui. Albert, votre pote, tu m'as dit que je peux venir. Ouais, mais moi je te veux pas. Lui, tu connais pas, des cartons là, dégage! Dégage de là. Il te connaît pas, dégage! Ouais, il va niquer ta race. Ouais, bouge ta race là, connard! Le code de tes morts! Toi, à la fin de la journée, tu dois plus avoir de gorge, genre une période comme ça, non? Non, ça t'a fait putain de mal. Problème, tu vois. Ok. Bon, les amis, comment vous appelez? Moi tu peux m'appeler Lou. Pardon, Lou. Sans de en train de jouer. Bah bonjour. Ouais, ça va. Je ferme la porte derrière toi. Si. Les amis, excusez-moi. Donc, monsieur Lou et monsieur Zer. Vous êtes chaud ou quoi? Ouais. Bien sûr qu'on est chaud. Je suis très chaud, moi. Je peux péter les cheveux et tout. Y'a pas de problème, tu vois. Moi, je on va monter sur un putain d'assaut parce que, ouais, je suis le chef d'une organisation criminelle et tout qui est bien stylé. On aime bien et tout. Il y a des attendez, gens. Attendez, je reviens dans pas longtemps là. J'ai quelque chose à faire. Ouais. Les gens. Je reviens, excusez-moi, j'ai un empêchement. J'explique à ton pote un peu comment ça se passe. Merci. Il y a un autre gang qui fait les macs avec nous, si tu veux. Beaucoup trop les macs. Et on va les niquer. Ah, les chinois? Non, pas les chinois, c'est les Eldark. Tu connais les Eldark? Ah, d'accord. Bon, là, je connais pas, mais ça a l'air d'être des autres fils de pute, ça. C'est les gros PD. Voilà. Et si tu veux, on va les niquer maintenant. Ah, d'accord. Et je recherche le plus de monde pour rentrer dans ce braco, enfin, dans cet assaut, pour bien les niquer comme il faut, ces gros fils de pute. Ouais, d'accord, j'ai ouais. Et donc, parce que je suis en train de manger aussi en même temps. Voilà, là, t'as une représentation très simple. Attends, je mange un coup. Ah. T'as une représentation en face de toi très simple du quartier riche. La maison rouge, c'est la maison qu'on va attaquer. Et la maison verte, c'est là où on va sniper. Logique. Ouais, d'accord, y'a pas de problème. Voilà. Est-ce que vous êtes seul ou vous avez votre collègue ou vous avez d'autres collègues? Mais où le PD là, le PD là, ouais, là parce que seul, plus ouais. On est de fous, plus on va les niquer. Parce qu'on rit pas. D'accord, ouais, non, moi, ouais. Moi j'ai deux seuls moi. Ok. Mais il va falloir engager plus de personnes. Il est pas encore mort lui. Ouais, sans. Parfait. Or. Mais qu'est-ce que t'as misé là? Vas-y, mets ton arme. Non mais oh. Allez, fou. 1, 2, 3, 4, 5 avec moi, 6 avec son collègue, et 7 avec Connor, il est où Connor? Putain de merde! Ouais. Bon, allez, c'est parti, on va niquer les merdes là. Attends, après. Je suis toujours pas armé, hein, Pablo. Ouais, t'inquiète, on va te fournir une arme. Il est où Connor? Putain, je vais l'appeler. Ce connard. Je sais pas, dis-moi. Tiens, t'es où? Non, j'ai pas fini. Tu veux quelque chose? Et ciao. Merci. Oh putain. Je te prends une ouais. Tu veux quoi? Si tu veux un plus diamant? Ouais, un pompe ou une AK, ce que t'as. Tu veux un fusil d'assaut en plus ou Ouais, ah, monsieur Alderson. Non, je t'ai déjà fait taxer. Ouais, c'est moi. Vous êtes prêts? Vous êtes pas loin? À qui ai-je l'honneur? Don Pablo.
Ah oui, d'accord. Ouais. Vous êtes dans les parages pour l'assaut? Ah. Ouais, je suis prêt. Ouais. Allez, ben on vous attend au chalet. Ok, j'arrive tout de suite. Ouais, de suite. Allez, alors. On va attendre le dernier. Ouais, il est fou. Zing. Excusez-moi, monsieur Lou. Est-ce que vous pouvez vous habiller comme nous de la façon Tail 07? Ah, d'accord, pas de problème. Attendez, je vais dans la... Va te changer, mon frère. Il y aurait peut-être moi qui me masturbe, mais bon, il y aurait pas de problème, je fais pas de bruit. Vas-y. Oh, il est allumé, hein. Je dis dans la chambre, je suis tout seul. Il est allumé, hein. Non, rentre pas, Thomas, tu vas mourir, Thomas, t'as été armé, Thomas, alors, ou pas? Ou il faut quelque chose en plus? Ouais, je l'ai armé. Tiens, regarde, je vais mettre aussi, je te mettrai un petit truc comme ça, c'est bien. Moi, tu es bien après. Ça fait... Non, Tail 07, c'est pas le bon. C'est pas celui-là, c'est un autre. Ouais, cool. Il est trop con lui, hein. Ouais, connard, hop, on attend 5 minutes, y'a des bombes qui vont arriver, on y va. Je pense que James et Hera, ils vont finir d'avoir mangé bientôt et ils vont arriver. J'espère. Sinon je vais pas les attendre 15 ans. La ville est H24 occupée. Oh, il mange tout le temps, ce bille, on dirait qu'il est gros. Un autre pistolet à part le mien, parce que le mien, il est pas top en fait. Il doit être gros, ce fou. Ah ouais, mais c'est le droit de casser, toi. Mais toi, mafieux ou truc, Alan. C'est ça le problème. Ouais. Je peux comme ça, moi. Mais toi, Yakuza. Voilà. Ouais, d'accord. Donne. Ouais, mais pour les temps. Moi, j'ai que cet ami-là, c'est la merde. De quoi, Alan? Pas de problème. J'ai dit, pour les portes, on fera comment? Ah ouais, c'est vrai, au cas où. Ouais, il nous faut un voleur, c'est vrai. T'as raison. Ouais. Voleur? Un voleur? Pour voler les culs ou quoi? On va voler les portes. On est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est beaucoup. Ouais. Allez, ben on va aller. On va se mettre deux par deux, les amis. Je vais rester avec Alan parce qu'il est... Il me faut le voleur à côté de moi. Connor, tu vas te caler avec Thomas. Et Alberto, tu vas te mettre avec le fou, là. Tu as l'air de le canaliser, il est bon. Voilà. Alors. Vous connaissez le plan. Je vais juste vous le réexpliquer en deux spies. Là, tu rigoles comme un zouave, là. Moi et Alan, on va se caler au sniper ici. Donc on aura vu sur le jardin. Connor et Thomas, vous allez vous mettre ici à l'entrée du quartier riche. Du coup, vous aurez vu sur la façade, sur le côté un peu avec la terrasse. Ici, je veux le fou et Alberto. Il faut que vous défoudroyez parce que vous êtes devant. Vous êtes devant la maison, vous avez vu sur le garage, vous avez vu sur toute la maison, vous niquez tout le monde. Donc alors, je vais expliquer bien les phases. Je vais bien développer les phases. Première phase, on se met tous les trois, enfin, chacun se met à sa position. Vous avez retenu vos positions avec votre binôme. Vous vous mettez à ses positions. Lorsque je lance le go, vous défouraillez toutes les personnes que vous voyez dans la maison au sniper. Il faut niquer tout le monde. Tout ce qui est visible, vous le défoncez. Donc au sniper, ra. Tu m'as compris, mon frère? Ensuite, deuxième phase, on se rejoint tous et on attaque de plein fouet aux mitraillettes et aux fusils à pompe la base. Donc là, le voleur nous ouvrira les portes, on calera des échelles et on fait le job. Il nous faudrait à la fin un survivant. Il faudrait que dans leur camp, on garde une personne pour que je lui parle et que je lui explique que notre organisation criminelle, c'est la meilleure et qu'on les nique parce que c'est des sales enculés. D'accord ou pas? Ouais, alors, on a le voleur, il est devant moi là. Hop. Est-ce que vous vous souvenez de vos positions, les gars? Ouais, moi, je vais avec le voleur, la maison du milieu.
Vous êtes tous, ouais, vous êtes tous équipés d'un sniper? Non, j'ai pas un sniper, mais j'ai un pompe, tu vois, histoire de trouver le cul, hein, disons. Calme-toi, je vais te donner ça. Ben, on va te donner. Tiens, prends ça, André. Voilà, sur la table. Prends, là, oui. Allô, ça, ça peut me péter les culs. Allez, les gars, voilà. On se cale où il faut. Je vous laisse partir en véhicule. Lorsque je mets en adverte go, on lance la première phase. Ok? Alan, t'as une voiture ou pas? Ton coq, je sais pas, il est là le fou. Let's go. On passe par la grande montée, Adam. Ouais. Donc on fait tout le tour, on passe devant le Taco Bell. C'est ça. Vous allez caler des échelles pour monter sur les toits des maisons, d'accord? Ouais, y'a pas de soucis. Parfait. Ouais. J'ai une idée à te proposer en fait. Ouais. Je voulais savoir si tu voulais pas que genre j'ouvre la porte, mais par derrière, genre. Genre, je passe du jardin, tu me fais un tour d'échelle, je passe par dessus. Genre, j'arrive dans leur jardin. T'inquiète, on le fera ça. C'est bon, on va le faire ça. Et vous attaquez par devant, et comme ils sont. On va dire. Ils vont viser par. Bah, moi je les donne par derrière et. Voilà. Le fou, calme-toi, Campo. Dégage! Casse-toi! Bah ouais. Andrew, calme-toi! Andrew, calme-toi, Andrew! Oh, c'est un allumé, frère! Eh hey, mon gars, là, là! Oh! Ils sont tous en train de partir, on va voir. On va se repositionner lorsqu'ils reviendront. Ok. Je te dépose où, toi, Dan? Maison au fond, là! Avec le grand toit de merde là. Ah merde, avec les grilles là, oh non, dis-moi qu'il y a pas quelqu'un depuis. Vas-y, calme-nous là, tu tournes là. Ici, c'est ça, tout compris. Allez vous positionner les gars. Et lorsque je lance le go, on y va. Ah ouais, je suis avec Alberto, moi c'est vrai. Vas-y, là c'est carré, tranquille. Hop là. Oh putain, laissez du surfus quoi. T'es pas avec nous, Andrew. Va autre part, casse-toi, t'es avec Alberto. Bah oui. Ah merde, Alberto, merde. Ah merde, je me suis trompé, je suis un trou du cul. Eve, lève-toi. Putain! Tu sais pas me porter, ça va pas le faire, hein! Regarde, il va. J'ouvre la porte. Non, c'est bon, on monte sur le toit directement. Je vais même prendre un petit sniper. Hop, l'objectif c'est de pas être vu pour le moment. J'ai visualisé où sont les autres, fais voir. Connor, il est où? Sale Connor, Connor Alderson. On se met sur le toit comment? Je vois qu'ils n'ont pas de protection par le jardin. Donc j'essaierai de passer. Si vous voulez, je pourrais passer par vers le jardin. Il faut passer par là-bas. Fais voir, je vais prendre un sniper moi aussi. Déjà ma Hog et. SL8 et fais voir où il est Alderson lui. Mon sac, je crois, j'en ai.
Écoute-moi le trou du cul là. Attends, on m'appelle. Allô? Alberto. Ouais, Dan, je peux savoir où il est passé le trou du cul? Je sais pas, gros. Attends, je vais voir où il est. Putain, où est-ce mec, qu'il est? Mec, y a trop de véhicules. Allez, cache-toi pour le moment. Ouais, nous mieux. J'ai pas reçu. 5 véhicules, mec, sur genre 2. Le portail. Le essaye de l'appeler pour voir où il est. J'ai pas son numéro à cette couille. Il est pas sur l'annuaire, t'as son nom. Oh, putain. Ouais, j'ai son nom, mais il a pas sur l'annuaire. Il a dû s'enlever l'annuaire, cette bite. Putain, le bâtard. Je sais pas où il est passé, cette couille, je te jure. J'espère qu'il n'est pas parti balance. Putain, en plus, l'autre connard, ouais. Il se retrouve seul, il est seul aussi. Bon, les gars, est-ce qu'on a des infos où ils sont? On change de plan. Il y en avait un qui était juste devant et il a vu mon véhicule, donc je pense qu'ils vont se ramener. Le garage il est grand ouvert. Garage il est ouvert, je vois rien, je vois une table. Je vois plus personne, ils sont tous descendus en ville en fait en même temps. Ouais. Et je vois Connor. Il est en train de galérer avec ses échelles. Mais le trou du cul, là, l'autre fou, je sais pas où il est parti. Hein. Je crois que les Eldar sont chez nous. On va les attendre, mais chez eux. Vas-y. Écoutez les gars, on garde les positions. Voilà. Je vais à Andrew, il est à côté de Connor, il va arriver vers toi. Il est devant, genre, il arrive chez eux, là. Okay. Là, tu peux le voir, là, normalement. Ouais, je le vois, ce truc. Allez, je vais appeler Connor. Attends. Ouais, il est loin à la détente. Reste bien caché de pas histoire de pas être vu. Ouais, allô. Ouais, Connor, t'es positionné sur le toit à ton endroit? Ouais. T'as perdu ton collègue, non? Pas encore, dans. Vas-y. Ouais, dans 2 minutes, je suis sur toi là. Pas de soucis, c'est bon. Écoute, vas-y, ok, on va attendre qu'ils sont pas chez eux, ils sont chez nous, ils doivent penser que chez nous ils vont faire guinguette et tout, mais nous on sera chez eux prêts à les défoncer, ok? Pas de soucis, ok. Ça allez, marche. À de suite. Allô? Hera, viens vite au quartier riche, on est en assaut là, on va commencer ouais, le truc. Au chalet, écoute. Ouais, écoute, le truc c'est que là, mec, ils viennent juste de partir du chalet. Ils viennent on les voit, chalet, ils rentrent. Ils n'ont pas vu, ils viennent juste de partir, ils arrivent, je sais. Viens vite, sur... Ils vont venir par derrière eux, je les ai entendus parler. C'est bon, viens... J'ai pas de voiture, je suis à pied, moi je suis à patte. Oh merde. Essaye de venir le plus vite possible, attends, tu sais quoi, bouge pas. On fait quoi, Don? On va lancer le truc. J'attends tes instructions. Je vais Hera, il est où? Il est où ce... Ah, il est là. Moi je te propose, Don. On y retourne. Hera. Cache-toi, Hera. Ah ouais, bah voilà. Allo les gars? Alberto, vous êtes... Don, c'est la merde. Vous êtes en... Don, c'est la merde. Vous êtes en position là? Ils sont trois. Ouais, trois véhicules juste devant chez nous. Ils ont grillé Andrew. Ils ont grillé Andrew. Tous les véhicules sont en train de se ramener, ils toquent à notre porte. Allez, niquez les chapeaux, ils sont de votre côté, Alberto. On tire les gars. Monsieur derrière vous. Les gars, on rafale. On assaut, go. Tous les chapeaux. Ok, on va les avoir. On va les niquer. Tous les chapeaux.
Allo? Ouais, je suis en place, les gars. Allez, les gars, on rafale, on rafale, on a lancé l'assaut. On a lancé l'assaut, les gars. Rafalez. Donne. Allez Alan, on rentre à l'intérieur et on nique tout le monde. On rentre à l'intérieur et on nique tout le monde. Vous venez, on lance la phase 2 les gars. On rentre à l'intérieur, on nique tout le monde. Ok. Là on a deux corps ici. On a deux corps ici. Erra, phase 2. On rentre à l'intérieur et on nique tout le monde. Vas-y, viens. Allez les gars, on lance la phase 2. On allume tout le monde à l'intérieur. On les a décimés, ils sont morts. On va me sauver. Une balle dans la tête, tu seras sauvé. Toi aussi. Dans la bouche. Bande de gros cons, va. Allez, let's go, on allume tout à l'intérieur. Il y en a encore? Je crois pas, mais on va casser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il est derrière là, derrière le truc là. Faut craquer le mot de passe, faut craquer le mot de passe. C'est bon. Ouais, c'est cette Lamborghini, ouais. C'est cette Lamborghini que j'ai vu tout à l'heure. Couvrez-moi les gars. Ok, restez bon. Restez faites la gaffe. Alberto, on est où? Ouais, c'est toujours en mouvement. Ouais. Je sais pas si bien tu fais de vous. Ils sont 5 hein, ils sont 5 hein, ils disent. J'en ai tué 3 moi perso. J'en ai tué 2. Eh, on pense au bouclier ou pas? Non, y'a personne. Ok, go. Si je dis pas de bêtises, y'a personne, mais on vérifie. Là c'est ouvert. Ouais, vas-y, go. C'est bon, on peut passer de l'autre côté, Alan. Par le garage. C'est de l'autre côté, t'inquiète. Il doit y avoir des printers à l'intérieur. Go aller voir sur le toit, faut aller voir sur le toit. Par là, par là. Comment ils font? Je sais pas du tout. Ah, par là, non. Je te fais la courbe, viens. Si, c'est bon, par là, regarde. Ah, ouais, par là.
Y'a du monde dehors, y'a du monde dehors. Oh, j'ai tiré sur un mec dehors hein. On laisse tranquille dehors, viens Alan. Il est parti contre toi, il est parti contre toi. Laissez-le tranquille, peut-être qu'il a rien à voir, laissez-le tranquille. Alan, tu viens avec nous? Il faut qu'on lockpick ces portes là. Ces trois portes là. Il doit y avoir du monde là. Des trucs, des printers, des imprimantes. Tiens, moi j'ai pas confiance, ça va être un peu. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, Ra? Donne, j'ai une voiture blanche, c'est bon. Descends, on s'en bat les couilles, peut-être qu'ils ont rien à voir, Ra. On n'en sait rien. Attends, c'est à quoi? C'est un bureau. C'est un bureau, ça sert à rien. C'est où? Oh non, là t'en passes de l'autre côté alors. C'est le bureau de la refaire. Sûrement. Allez, on passe ces deux portes. Ira, descends, The Bee. Ira, descends. Putain, il est con. Ira, descends. Ira, je sais pas où t'es, mais descends. Ah t'es là. Alors j'écoute à l'appareil. C'était moi. Ah merde. Ouais descends, ça peut-être que les mecs sur qui t'as tiré ça avait rien à voir, on révite la prochaine fois. Dis quoi Don, t'as dit quoi? Mais évite de tirer la prochaine fois sur les gens, peut-être qu'il a rien à voir, on sait pas. Ouais y'a plus rien, allez on se dégage, on se casse. Allez, on se casse. Ça sert plus à rien, on se dégage. C'est... Reprends le véhicule et on se casse. Allez, détruis les... Mais viens, go. Allez, on se casse. Ouais, on est détruit, le véhicule, on est détruit. Allez, niquez tout. Allez Alan, on se casse avec ton véhicule. Allez Alan, on se casse. Vas-y go. C'est bon, on a décimé tout le monde, opération réussie. Allez, vas-y, fonce. Allez, on retourne au chalet. On se casse où? Chalet. Passe par là, c'est bon. C'est mieux que je passe par là, c'est jamais. Non, on va au concessionnaire. Non, on va aller au chalet, on va niquer tous nos plans, on va supprimer tous nos plans avant qu'on pense que c'est nous. Ok. Mission réussie, bien joué les gars. Bien joué. Bien joué. C'est quelle frappe ta bagnole toi? Passe la sixième hein. Eh bah mon gars, souffle ta voiture, toi tu passes dans les 3000 tours minutes. Eh laisse conduire la voiture. Yeah. What?
pas les photos dessus. Allez, foutez le feu à tout, foutez le feu à tout. On fout le feu et on dégage, ouais. La Lamborghini rouge, tout à l'heure, la Lamborghini rouge, ils sont venus, ils ont tout vu. C'est pas grave, on les a tués après. On a tué tous les Eldar qui ont été tués. Allez, on dégage, vendez les portes, dégagez, on se casse. Les portes, etc. J'ai vendu les portes, là, ou quoi? Non, je pense pas. Elles sont avec les portes. Entre toutes ces portes. C'est bon, j'ai vendu. Go concession. Ouais, j'ai enlevé. On va au concession, on change de véhicule. Ouais. On prend mon Audi, les gars. Allez. Ouais. On se débarrasse de cette voiture. Tu la brûles, tu fais ce que tu veux avec, mais faut pas qu'on nous retrouve. Ouais. On les a tous tués, c'est bien. Ça c'est bien. Moi j'avais un autre coup à vous proposer, les gars, aux HLM. Ouais. Les HLM, il faut les dégager aussi. J'avais un gang, je pense, ça allait là-bas. Vas-y, cherche ma voiture. C'est bon. Okay. On fait un tour aux HLM pour qu'il y a un peu là. Vas-y. Sinon les snipes, hein, aux F, hein. Ouais, on peut aussi, mais on... je vais voir comment ça se passe. Ah, y'a plus rien aux HLM, c'est bon normalement. On va pouvoir s'y mettre casé là. Ah, non, c'est bon. Y'a plus rien. Ouais, y'a plus rien. Y'a pas une Lamborghini rouge là? Les gars, j'ai vu une Lamborghini rouge comme vous avez dit. Où ça? Mais là, en bas. Ça demande du vers les usines. Ah! Oui. Attends, on va voir. Attends, mais le mec il est derrière. Bon, donne, monte! C'est pas moi. C'est moi. Ferrari. Allez, on se casse. Ouais. Y'a pas des gens qui sont installés dans l'entrepôt? Ça vous dit pas, on va niquer le dictateur, j'aimerais me mettre maire. Tu voudrais être maire? Ouais. Ouais, mais c'est la sécurité de bâtard. On va voir comment ça se passe. On peut passer à l'hôpital déjà. Allez, vas-y, ouais, t'as raison. Attends, ça tire déjà dessus, vas-y, moi j'ai pas besoin de vous soigner, allez-y. Moi il faut. Je vous attends. C'est pas ça les dames.